Bonjour tout le monde, c'est Skill de base de la team Let's Play. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de ce challenge Choose the Legend of the Dark Character. Et la dernière fois, et bah, j'avais ouvert la porte du donjon sans faire exprès, comme un bouffon. Et bah c'est reparti hein, vidéo du vendredi, je vous rappelle que c'est moi, donc j'avais pas trop le temps de la tourner ce soir, mais j'ai quand même réussi à trouver un petit créneau, donc c'est tranquille. Oh mon dieu, tous oui. En plus c'est les rouges, et j'aime pas le rouge, je suis rougeophobe. C'est ironique, je suis pas rougeophobe. Est-ce que j'utilise l'attaque circulaire? Parce que là j'ai oublié un instant, certes. Alors ce donjon, il est pas très dur, de toute façon la vidéo va pas être très longue malheureusement aujourd'hui, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai pas le temps. La vidéo sera pas très longue, la prochaine fois je serai pas là la semaine prochaine, donc si vous avez de la chance, je vais avoir le temps de tourner ce week-end vidéo, après ça devrait le faire vu que je serai en vacances. Et je vais essayer de me démerder pour la mettre en programmé pour la semaine prochaine, pour que vous l'ayez quand même si je ne suis pas là. Bon, je rentre le vendredi soir d'Angleterre, car je pars en Angleterre une semaine, donc je vous l'avais pas déjà dit, je sais pas, dans toutes les vidéos que j'ai tournées la semaine, je l'ai dit, donc je sais pas si j'ai dit dans la précédente vidéo, en tout cas, la semaine prochaine, je pars en Angleterre, donc une semaine, et je reviens vendredi, voilà, au pire, si je suis à la bourre, je pourrais tourner la vidéo vendredi, voilà, et mine de rien, les grandes vacances approchent, et franchement... Franchement, je suis trop content. Est-ce que j'ai parlé à l'autre bouche? Est-ce que c'est moi dans la petite ellipse? Allez. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc je suis en vendredi. Donc, désolé. Donc bizarre, je pense que c'est Geraint. Donc tu n'as servi à rien, j'ai perdu mon temps, comme j'ai pu évidemment. Bon allez. Et bah moi je trouve one shot. Hein. T'as cru tout allait pas me one shotter. Alors c'est faut vraiment être super précis. C'est vrai que ce jeu c'est vrai faut vraiment être super précis. Et vraiment il y a beaucoup de mécanismes d'utilisation de l'axe de l'épée. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que vraiment il va vraiment avoir des phases où il faut vraiment savoir utiliser l'épée, c'est-à-dire l'utiliser horizontalement, verticalement, direct, de façon oblique aussi. Et vraiment, alors c'est bon, j'avais pas compris au début, enfin si je l'ai vu vite, mais tu sais, j'avais baissé les deux premiers trucs, j'étais là, mais pourquoi je le pense à baisse pas. En fait, ouais, voilà, faut le voir. Oh non, je sais pas, comment ils s'appellent. Ils sont dotés de fortes capacités physiques, appuyez sur, lorsque possible, un ennemi avec des vous remets une information. Ok, alors j'ai envie de voir un peu ce qu'elle a pris de... Je me souviens que la première partie, j'ai galéré à la tuer. Dans les Alphos. J'avais pensé en Stalphos. Et les arches. Je pense que c'est un mix entre les deux. Ces créatures se protègent à l'aide d'un brassard de fer super rapide et rendent l'anticipation de l'attaque. Il vous faudra observer la position de leur brasse. Frapper le côté opposé au moment opportun. Vous avez vaincu 13, mais mon Isabel qui contribue au combat contre ses ennemis est assez faible. T'as raison, parce que c'est le cas. Putain, surtout que là j'ai pas les attaques circulaires donc ça va pas être chaud du tout. Les attaques sautées, je ne me suis pas enlevé. Ah, c'est bon, ok, j'ai compris la technique. J'attendais qu'il fasse ça en fait. Non, je déconne, j'ai totalement oublié. Mais c'est vrai que ça c'est pas un truc trop con. Ah, attendez, je vérifie un petit truc. Voilà, bon. Oui, ouais, j'en ai 8 des trucs de les Alphos. Je retiendrai. Alors, ah, c'est vrai, il y a les bestioles tronches. Du coup, peut-être que parfois dans les endroits comme ça, vous pouvez recevoir des cœurs. J'en ai rien du tout. Genre là, par exemple, on devait peut-être avoir un cœur. Alors qu'en fait, non, j'ai rien du tout.
C'est des trucs comme ça aussi parfois, c'est possible. Alors, ouais. Ah oui, c'est vrai, je m'en souviens. Ça va tout faire péter, je crois. Ouais, ça a tout fait péter. C'est bien ce que je me disais. Les énigmes sont pas très dures dans Zelda, franchement. En tout cas, pas dans ce jeu, mais c'est vrai que ça se complique quand même plutôt pas mal de par la suite. La suite du jeu, j'entends bien. Et oui, meurs. Oula. Quand on tombe dans le vide, on prend aucun dégât. Par contre, quand on tombe dans la lave. Avant, j'avais pas compris qu'on pouvait tomber de la boule et du coup, je me disais, ouais, c'est trop simple. Mais je fais comment? Ah, voilà, j'ai cru qu'elle était en train de me taper et que je pouvais pas résister. Donc, ici, bonjour. Oula, lui, il a une jolie coupe de cheveux. Dash, je le trouve pas. Où est-ce que j'ai bien pu le fourrer? Je lui ai perdu un venin ici ou quoi? Ah, tu tombes bien, toi, c'est moi, Férug. Ah, ouais, c'est pas le hasard qu'on me fout de rencontrer, j'en suis sûr. T'es venu m'aider à chercher un sac de bombes, hein. Problème. Je cherchais des trésors dans le coin quand je suis tombé sur des mots derrière ce rocher. J'ai eu peur quand je me suis carapaté. Ce sac c'est super pratique, ça permet d'arranger les fleurs bon d'utiliser quand tu veux. Sans galère de pas en avoir, dis tu veux pas chercher un sac de bon, les mots sont déjà ramassés, allez quoi. Pas de problème. Alors c'est vrai que dans Zelda, le sac de bombes est un des objets les mieux foutus parce que le fait de pouvoir ramasser des bombes par terre, c'est vraiment super quoi. Arrête de changer de sens tout le temps. Merde, mais qu'est-ce que je suis con, je me défends même pas. J'ai oublié qu'ils étaient offensifs en fait. C'est pas parce que j'ai plus de potions et plus de cœur. Juste le tabouret. Alors là, elle va me dire que j'ai plus de vie, et bah je sais. Ah, ça m'énerve ça, ça m'énerve. Ça, c'est encore une connerie de Nintendo. Parfois, ils font des trucs comme ça dans les Zelda, c'est un peu comme la leçon de ma vie. C'est chiant, mais au bout d'un moment, ça va, on s'y fait. Mais il est chiant quand même. Mais on s'y fait. Mais il est chiant. Ça aussi, il faut savoir qu'il faut aller là où faut pas forcément savoir, ça se devine. Au moins, la première fois, j'ai deviné. Mais faut voir. Un Mouna dans l'île, deux mis. Un autre Mouna dans l'île, et un troisième Mouna dans l'île, et un quatrième Mouna dans l'île. Les cœurs sont remplacés par des trucs comme ça parce que ça serait plutôt pas mal entre nous. J'en ai 25 des trucs super. Ne pas me donner les perles d'ombre plutôt. Oh bon, trouver les perles d'ombre ici. Oh yes, une fée. Je voulais pas utiliser une attaque, désolé. Et voilà, perdu mon challenge. On a un peu let's play. Oh, je déconne. Wow. Est-ce qu'il fallait que j'aille là? Bah oui, je suppose. Ah bah oui, il faut le faire. Dans ce genre la bombe elle explose le truc de là quoi. N'importe quoi. Ah mais je veux pas rentrer, j'ai pas de petite clé je crois. Ah mais j'ai cru que lui avait une petite clé, non j'ai tout avant fumé. Oh putain, c'est une mini boss. Lui vous allez voir qu'il est casse-nem. Oh sérieux. Là on va sortir le bouclier. Coucou. Ah, à chaque fois que j'utilise mes attaques sans faire exprès. Ça c'est pas cool, ça c'est pas cool. Oh non! Ils esquivent, les salauds! Yes. Faut faire gaffe à la coupe grâce parce que parfois ça peut couiller. Mais... alors ça fait très mal, donc faut faire gaffe. Ça va, là j'ai vite défoncé le premier, donc ça va. Faut avoir un petit peu le. Genre là par exemple, il vient de me défoncer, il m'en avait 3 quarts d'un coup, je crois. Ça se trouve, je vais mourir. Ça y est, on recommence.
Alors c'est vrai que pendant qu'il flamme, c'est un bon moyen de les taper. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Qu'est-ce que tu nous fais là? Non. Genre je suis tombé quoi. Ça allait forcément arriver, il faut te faire le con aussi. Voilà, alors en fait c'est surtout ça. C'est beaucoup mieux en fait je pense de taper pendant qu'ils sont en train de faire. Genre, je trouve que j'ai tout fait bugger, j'ai failli être au même endroit que le coffre, ça aurait été bien marrant quand même. Donc vous êtes au moins un set de bebons. Cette besace forte quand une période emportée avec soit les fleurs bon ramassées. Voilà qui pourrait vous permettre d'accéder à des zones jusqu'ici Nax et si vous voyez si Ferg accepte de vous le prêter. Et bah pas de problème. Je sais que j'ai plus de vie, connasse. Merci. Ah sérieux. Si j'ai pas possible ça. J'espère que mon fichier va entrer direct dans Sony Vegas parce que parfois les fichiers de HGPV ne sont pas compatibles et c'est pas super cool bueno. Oh t'as retrouvé mon sac de bombes. Ouais je te dois une fière chandelle. Allez rends-le moi. Hein, tu veux que je te prête pour que tu puisses continuer ton chemin? Ah tu sais que je suis une amie à toi, tu voulais devenir pour aller jusqu'ici. Ouais t'as propos de mon pote. Non. Pourquoi mon pote non? Ah. J'espère qu'il lui a rien arrivé, si ça se trouve les monstres lui ont réglé son compte. Eh ouais, tu dois être très inquiet pour ton ami. Tu ne sais même pas s'il est encore vivant. Bon allez, je te donne mon sac, allez. Imaginez, il prend et vous avez pas de sac de bon de toute la partie. Dommage. Je t'ai donné mon sac, on va donc chercher ton ami. Mec, vous avez délire, on prend ça. Ok, bah merci. Merci. Pourquoi pas? Tu peux ranger des fleurs, bon, dans ton sac à la partie que tu comptes. Pendant que tu portes une bombe, tu peux la ranger dans ton sac en appuyant sur B. Souviens, tant que ton sac peut contenir jusqu'à 10 bombes ou remplis-le quand tu trouves des fleurs bombes. Okay. En fait, je pense qu'on prend une vidéo que je prends en fait tout le temps. Celui que je préfère, je pense, c'est le 20 secondes. Parce que c'est 20 minutes. 20 minutes plutôt. C'est faire des vidéos de 20 minutes en fait, parce que ça prend pas énormément de temps à se tourner entre nous. Ça prend pas énormément de temps à se monter non plus. Ces petites vidéos de 20 minutes, ça prend pas du tout le temps pour vendu, ça prend une heure et demie. Ce qui est pas, beaucoup. Enfin, moi avec Sony Vegas, parce qu'avec Windows Movie Maker ça prend beaucoup moins de temps, mais c'est beaucoup moins bien. Moi je monte que avec Sony Vegas de toute façon. Et ce qui est bien aussi, et bah ouais, j'ai pas vu tout d'ailleurs. Et ce qui est bien aussi, c'est que ça. Je pense que je vais avoir mon game over. Je vais avoir mon game over dans cet épisode. Ah, attendez, là vous allez voir un truc, vous allez avoir. Et voilà, tu vas mourir, tu vas mourir. On va aller maintenant. Alors, on peut aller là-bas, ça a l'air pas mal. Je pense qu'on va aller là-bas, on fera toute cette partie la prochaine fois. Parce qu'il me reste que 5 minutes. Parce qu'après, je vais pas avoir le temps de tourner. Il faut que je m'occupe d'autre chose. Ouais, merci, redresse-toi un petit peu, s'il te plaît. Bah oui, forcément. Oui, moi je cherche des cœurs dans, en fait, dans les herbes, mais non. Non mais... Ah mais ça a tout pété. Moi je reste à côté quand même. Non. Putain mais... J'ai du mal, hein. J'ai du mal, franchement. En plus elle pète pas trop vite, c'est comme ça. Il suffit juste de savoir jouer en fait. Ouh. Oh sérieux, ça a rien pété. Oh si ça a pété le truc. Oh ça a pas pété le truc, d'accord. Tu vois le truc qui tombe, je me fais couiller. Voilà, là ça devrait le faire. Voilà, c'est bon.
je trouve que le concept, le principe de faire rouler des bombes, c'est pas une mauvaise idée. Je l'ai jamais vu dans aucun autre Zelda. Enfin, ça existait peut-être dans un Zelda, mais à ce moment-là, j'y ai pas encore joué. Pas encore, je dis bien pas encore. Alors, il y a une Link to the Past 2 qui va sortir sur 3DS. Il a l'air trop bien, franchement. C'est une suite de Link to the Past, c'est juste bueno. J'en ai 9 des crânes d'or, j'en ai rien à péter. Des crânes normaux, ça serait mieux. Suite de Link to the Past, ça serait vraiment bueno. Le problème c'est que voilà, j'ai pas la 3DS, ce qui fait que je pourrais pas y jouer. Et comme je sais pas s'ils vont faire une version Wii U, peut-être que dans 10 ans il y aura un remake sur la nouvelle console que je l'aura. Et en attendant, on se jouera. On aura des putains d'émulateur perfectionnés, mais j'aimerais bien l'avoir. Alors après, c'est vrai qu'on connaît la 3DS, donc je peux essayer de négocier pour qu'elle l'achète. Je squatte sa 3DS pendant mes vacances. Ça peut être. Excusez-moi, ça peut être pas mal. Mais voilà, bon. Bref. On va aller au milieu parce qu'en fait j'ai encore un peu de temps. Ça va. Tac. Moi je fais gaffe parce que j'ai plus qu'un cœur, donc on va pas faire le coup. Non mais d'accord. Hein. Ouais, c'est... Là ils se sont dit, ah, faut utiliser une attaque circulaire. Bah écoutez, attaque circulaire, pourquoi pas, mais bon. C'est ouf le nombre de billes qu'il y a. Tu prends quoi? Elle arrive comme ça, normal. Oh oui. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Je suis sûr qu'ils n'avaient pas prévu ça. En vrai, peut-être parce que c'est vrai que le truc était quand même vachement plat. En soi. Alors, on va peut-être sauvegarder avant. Ah oui, je me souviens de ce passage, j'étais bloqué en fait à ce moment-là dans ce domaine. Alors là, vous avez déjà montré un truc. Eh bah non, il est mort. Muerto. Juste sauvegarder. Je regarde juste au cas où je meurs, si je réapparais là, ça serait pas mal. Alors je sais. Je sais plus trop comment ça marche dans ce Zelda là. Système de sauvegarde. Dans le Zelda en général. Voilà. On va pas se fâcher. Hey, il est méchant. Mais il est super relou. Je te vise les pieds là. Il va me faire un je sais pas combien choc. Non mais d'où tu fais ça là, toi? Ah, c'est vrai qu'on peut essayer peut-être de l'assommer pendant qu'il fait barra. J'essaie de lui faire un petit enchaînement, mais non. Ah, il fait ton barra. Oh là non. Alors. J'ai essayé de l'enchaîner, mais non. Voilà, il m'a tué. Game over. Premier game over de la série. Hein. Premier game over, non mais j'ai mal géré avec les deux, les stats fausses. Mais oui, arrête de me déprimer comme ça. Game over, vous êtes une merde. Essayez même pas de continuer, vous arriverez à rien dans la vie. Oh, je vais poutrer sa gueule, lui. Oh, je vais poutrer ta gueule. J'utilise mon bouclier un peu plus. Non mais bonjour, je suis skill, je suis un gros bouffon. D'accord. Oh mon
j'ai fait une attaque sur l'air. Bon, c'est pas grave, je voulais faire un coup desktop, un coup piqué, mais j'ai pas réussi. Bon, après, c'est pas grave, hein. C'est pas un challenge très très dur en soi, celui-là. On pourra m'en excuser si je fais une ou deux attaques circulaires par-ci par-là. J'ai la flemme de faire ça. La torcher, je prends même pas ce qu'il y a là, je tue mon voile joint, bon je suis en malade, tac, c'est parti. Te bouge pas le der, surtout je t'en voudrais pas. Allez voilà, ta. On va peut-être essayer de tuer le monde. Voilà. On prend le coffre, on va revenir. Là par contre j'ai plus le temps de tourner, mais enfin, je pars. Ah yes, la carte de donjon. On fera la deuxième partie de donjon la prochaine fois, hein, je pense. Je pense qu'il va se faire en 3-4 donjons ce donjon là parce que. Ah, oh, remarquez, pas si grand que ça. Bon, on a déjà fait une grosse partie en fait aujourd'hui, donc ça va. Vous savez pas si je fais une vidéo longue, si je fais une vidéo longue ou pas. Ah bon, mais ça c'était mes chiens de spéculation sur point de cœur. Non, t'auras pas des cœurs, t'en as des reliques. Petite fée au moins, ça aurait été bien. Ouh. Je lui ai fait à la Assassin's Creed version Zelda, c'est épique. Ça va, 3 coeurs, j'ai pas pris. Ça fait même pas bip bip bip. Ah, parce que Zelda ça fait bip bip bip, c'est très français avant. Là ça fait bip bip quand t'as pris qu'un coeur, je crois. Et sinon, les autres data ça fait bip 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 bip. Très énervant au bout d'un moment, ça gâche toute la musique. Oh, c'est super le jeu, ça te rappelle. Plus de vie dans les sens du terme, plus de vie sociale, plus de vie de couple, plus de vie familiale, plus aucune vie, juste pas de vie. Bref, et dans Zelda aussi. Bref, et bien sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt pour une ou dans deux semaines, mais je vais me démerder pour essayer de mettre une vidéo en programme quand même. Allez, à plus.